Savez-vous que la fin des membres d'équipage des sous-marins détermine combien de temps ils peuvent rester sous l'eau? Un sous-marin nucléaire de la marine américaine peut produire en permanence de l'air et de l'eau à partir d'eau de mer, mais il ne peut pas produire de la nourriture pendant de nombreuses années. C'est pourquoi les sous-marins doivent souvent partir en mission pour se procurer davantage de provisions. Nous avons eu la chance de remporter une loterie qui nous a permis de visiter la cuisine et le congélateur d'un sous-marin nucléaire de 3 milliards de dollars. Nous avons pu voir de près comment ils fabriquent et stockent la nourriture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil dans la cuisine d'un sous-marin nucléaire de 3 milliards de dollars. Quelle est la nourriture pour les marins à bord du sous-marin de la marine? L'équipe doit décider quel repas commander en fonction de l'endroit où ils seront, et cela est souvent délicat car le chef doit adapter le menu en conséquence. Cela nécessite beaucoup de planification à l'avance. De plus, l'équipe de cuisine mentionne que l'équipage du sous-marin exprime souvent une forte insatisfaction concernant la nourriture. Cela ajoute à leur stress pour s'assurer que les repas sont savoureux. La vie en tant que marin sous-marinier de la marine américaine est plutôt difficile. En naviguant à travers des eaux glaciales dans un tube d'acier pendant des mois, ces marins sont à proximité d'explosifs, d'articles inflammables, voire même d'armes nucléaires. Ils courent des risques d'accidents graves, même lorsque les choses sont paisibles. En période de conflit, ils pourraient être poursuivis et attaqués par des navires ennemis et des hélicoptères. Pourtant, il est dit qu'ils parviennent toujours à avoir de bons repas. Si vous êtes sceptique, jetez un œil à ce livre rare sur l'alimentation des marins à bord des sous-marins. Le Centre de recherche sur les sous-marins de la base navale des sous-marins de Bangor, dans l'état de Washington, a acquis le livre « Submarine Cuisine » datant de 2000. Il contient des informations intéressantes sur ce qu'un cuisinier fait à bord d'un sous-marin, comment il stocke, prépare et cuisine la nourriture, ainsi que les types de repas que le personnel du sous-marin pourrait avoir la chance d'apprécier. Il parle de la vie à bord des sous-marins remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le livre raconte des histoires sur des sous-marins de l'époque où les navires avaient des noms liés aux poissons, tels que l'USS Hardhead, l'USS Bluegill et l'USS Blenny. Il mentionne également que les marins à bord d'un sous-marin moderne américain, qui peut être en mission pendant des semaines, voire des mois sans ravitaillement, reçoivent 3 repas par jour. Les sous-marins de la flotte du Pacifique obtenaient leur nourriture de Cisco, un fournisseur alimentaire courant, tandis que ceux de la côte Est étaient approvisionnés par Kings Bay. La nourriture est chargée dans les sous-marins d'attaque rapide au port, une boîte à la fois, à la main. Sur les sous-marins lanceurs de missiles balistiques, la nourriture est livrée à l'aide d'une grue dans des conteneurs en aluminium mesurant 6 pieds de long, 6 pieds de large et 5 pieds de haut, qui passent par l'entrée du puits d'évacuation. Le livre propose également des recettes pour des plats de petit déjeuner populaires comme les œufs à la crème, qui, pour être honnête, pourraient ne pas sembler très attrayants. Il donne également des instructions pour préparer des plats tels que le bœuf salé et le chou, le rôti au gingembre, maintenant nous parlons, et le poulet frit à la manière du Maryland. Bien sûr, la collection de recettes ne serait pas complète sans la soupe aux haricots Navy. Et pour adoucir les choses, il y a des recettes pour la tarte aux cerises, le riz au lait et les pommes au four. Le rôle du cuisinier, l'un des emplois les plus axés sur le service client à bord d'un sous-marin de la marine américaine, est mis en avant dans la discussion du livre sur la cuisine à bord des sous-marins. Les cuisiniers de sous-marins ressentent toujours la pression de cuisiner, de faire le ménage, de respecter les horaires et de gérer leur budget alimentaire mensuel. Maintenir la propreté de la salle à manger est extrêmement important. L'équipage reçoit une formation dans la salle à manger lorsque les repas ne sont pas servis. Étant donné que les sous-marins sont conçus pour être extrêmement silencieux et que les sous-mariniers ne parlent généralement pas de leur routine quotidienne, la force sous-marine de la marine est connue sous le nom de service silencieux. La cuisine à bord des sous-marins nous offre un aperçu de la vie quotidienne des sous-mariniers américains à travers leurs repas. Mais ce n'est pas exactement un secret d'État. Lorsque vous pensez à un sous-marin, vous pourriez imaginer un petit bateau sombre se déplaçant silencieusement dans l'eau. Mais devinez quoi ? Les sous-marins peuvent rester sous l'eau pendant des mois sans remonter. Comment y parviennent-ils? Eh bien, une partie de la solution réside dans la façon dont ils approvisionnent les sous-marins nucléaires en pleine mer. De l'approvisionnement en carburant à la réapprovisionnement de la cuisine, vous découvrirez comment tout est géré pendant que le sous-marin reste caché sous l'eau. Alors détendez-vous et profitez de ce regard sur l'une des parties les plus intéressantes des opérations navales modernes. Les sous-mariniers des sous-marins lanceurs de missiles balistiques américains peuvent rester cachés sous l'eau pendant 3 mois sans être vus. Mais que se passe-t-il lorsque l'un de ces sous-marins a besoin de plus de provisions tout en étant en mer? Il existe différentes façons de le faire, mais la marine américaine n'a révélé qu'une seule méthode au public. Il existe toute une gamme d'options disponibles, des petits drones aux grands avions cargo, pour ravitailler ces sous-marins. L'amiral en chef Blake Converse, qui est responsable de la force sous-marine du Pacifique, a parlé de cela lors du symposium annuel organisé par la Naval Submarine League.
Nous n'avons pas toujours besoin de leur fournir du carburant, mais parfois nous devons leur fournir de la nourriture, et d'autres fois nous devons leur fournir des pièces pour les maintenir en mer, a expliqué Converse. Nos sous-marins sont vraiment fiables et peuvent transporter une bonne quantité de nourriture, mais cela les aide à couvrir encore plus de distance, ce qui étend leur rayon d'action. C'est un gros avantage pour les missions de la Force BN. La marine américaine possède un total de 14 sous-marins lanceurs de missiles balistiques de classe Ohio, qui font partie de la composante maritime de la triade nucléaire des États-Unis. Tous ces sous-marins sont propulsés par des réacteurs nucléaires. Ces sous-marins travaillent en collaboration avec la composante aérienne de la triade, qui comprend des bombardiers tels que le B-52 et le B-2, ainsi qu'avec la composante terrestre, qui se compose de missiles balistiques intercontinentaux. La Russie et la Chine ont également leur propre triade nucléaire, et leurs stratégies sont assez similaires. Étant donné qu'ils sont une partie cruciale de la triade nucléaire, ces sous-marins doivent rester en mer pendant de longues périodes. Cela est important pour s'assurer que le moyen de dissuasion nucléaire basé en mer des États-Unis fonctionne bien. Cependant, ces sous-marins ne peuvent transporter suffisamment de nourriture que pour environ 90 jours, ce qui signifie qu'ils ont parfois besoin d'être réapprovisionnés lorsqu'ils sont en pleine mer. En cas de conflit majeur avec un adversaire puissant comme la Chine, qui possède également des capacités nucléaires, ces sous-marins joueraient un rôle crucial. Ils agiraient en tant que dissuasion, veillant à ce que la Chine n'entame pas une attaque nucléaire contre les États-Unis. Ce concept est appelé « destruction mutuelle assurée », MAD. L'idée centrale derrière le MAD est étonnamment simple. La triade nucléaire des États-Unis garantit qu'aucune attaque nucléaire unique ne pourrait éliminer les trois moyens dont disposent les États-Unis pour livrer des armes nucléaires. Le principe du MAD dit essentiellement que si un pays est dévasté par une guerre nucléaire, l'autre le sera également. C'est un accord entre nations rivales qui dit « Si nous sommes touchés, vous l'êtes aussi ». En raison de cela, les sous-marins lanceurs de missiles balistiques américains sont souvent appelés « boomers », ce qui n'est pas très amusant. La marine américaine a effectué des tests pour déterminer la meilleure façon de ravitailler ces sous-marins en mer. Elle a utilisé 4 véhicules volants différents à cette fin. Tout d'abord, un membre de la marine américaine a piloté un drone quadrirotor capable de transporter de petits objets ou de l'équipement jusqu'à un sous-marin en surface. Ensuite, un hélicoptère MH-60 Seahawk de la marine américaine a apporté une charge plus importante, suivi par un MV-22B Osprey du corps des marines américains avec plus de cargaison. Enfin, un C-17 Globemaster de l'US Air Force a largué un autre colis depuis le ciel en volant au-dessus. Qu'il s'agisse d'une petite pièce livrée par un drone pour maintenir le bon fonctionnement du sous-marin en réparant ses systèmes de commande ou d'armement, ou d'un ravitaillement en nourriture, en logistique ou en ressources médicales nécessaires à leur mission, nous simulons ces scénarios pour montrer que nous pouvons maintenir nos sous-marins opérationnels en mer, a expliqué un porte-parole. Quelles sont vos impressions sur la vie à l'intérieur d'un sous-marin? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce contenu, veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en mettant un pouce levé à la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures mises à jour. Merci de rester fidèles et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.